Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements spécial cardio. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça se passe de votre côté? Quel bonheur de vous retrouver si vous êtes tout nouveau. Quel bonheur de vous accueillir. On s'enligne pour un entraînement express en deux temps, trois mouvements. Donc, trois segments cardiovasculaire et un peu musculaire. Je lance le bal assez rapidement parce qu'il faut vraiment faire compter chaque seconde. C'est un entraînement de moins de 15 minutes et je vous invite à être inconfortable. OK? Mais c'est vous qui décidez. À la fin de la journée, c'est vous qui êtes maître de votre corps. Alors, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous sautez? Est-ce que vous sautez pas? Est-ce que vous avez des contre-indications de la part de votre médecin, de vos spécialistes? Êtes-vous prêt? L'autre chose que j'aime ajouter, côté plus-value, c'est de penser à votre posture. Je vais vous rappeler souvent d'impliquer les abdos, de descendre les épaules, de sourire. Je vais me le rappeler également. Vous avez une bouteille d'eau pas trop loin. Vous arrêtez si vous avez besoin, mais je vous dirais, faites-donc une marche. Plutôt que d'arrêter, marchez-le. Comme ça, vous voyez un peu les contenus. Vous entendez bien les indications. Marchez-le. Et c'est parti. Donc, vous allez le voir à mon essoufflement. C'est prenant et c'est souhaitable. C'est parfait si vous êtes essoufflé. Faites juste vraiment essayer d'évaluer là, si vous poussez trop loin. OK? Inconfortable, jamais douloureux. On marche ou on jog. Avez-vous ce que j'ai commencé à faire? Genoux, j'ai en fait seulement levé un petit peu plus haut. Ça va? Si vous êtes en marche, vous êtes en marche dynamique, n'est-ce pas? Donc, vous choisissez. Pas de pression de mon côté. On respire bien. Dans 8, je vais me déplacer. Êtes-vous prêt? Super simple. Déplacement latéral. Ça fait 8, 7, 6. Regarde. Je double le dernier. Et à l'occasion, je vous tutoie. Permettez-moi de faire ça. Ou pardonnez-moi d'avance. C'est 1, 2, 3, 4. C'est pas grave, les comptes. Ça vous donne un petit rythme de croisière, si on peut dire. On respire bien. Je suis essoufflée. Êtes-vous essoufflée déjà? J'en positionne. Encore, encore. C'est 8. Est-ce qu'on lève un petit peu plus haut? Oui. Je tire un petit peu sur le vêtement pour pas que ça descende trop. Oh boy! Hop! Même chose. Je le garde assez longtemps pour que vous puissiez maîtriser le petit jeu de pied. Et dans quelques instants, je vais l'appeler simple, simple, double. Vous aurez juste à me suivre. Oups. Puis en le disant, ce qui est drôle, c'est que je le fais. Ça fait un, deux, lève. Pour vrai, souvent quand la tête, il pense, quand le cerveau, il pense, physiquement, on a envie de faire le mouvement. Et c'est ce qui est arrivé. Hop. Vous faites un, deux. Est-ce que je peux lever un petit peu plus haut? Pouvez-vous lever plus haut? C'est un entraînement que je fais avec vous, mais c'est vous la priorité. J'aime tellement ça le cardio, on pourrait faire ça des heures, mais quatre! Dans trois, je l'accélère une autre fois. OK? Here we go! Ça fait un, deux, lève. Yes! Puis bien évidemment, on peut choisir de jouer avec ça. Hop! On continue comme ça, disons, 8 maintenant, 8. 7, je remets les mains sur les hanches, ça se passe bien ici. Mais pour vrai, pour moi, c'est pour le legging. 3, on se retrouve déjà au prochain segment. À tout de suite. Comment ça se passe de votre côté? Prochain segment, c'est devant-derrière. Alors, je pars de notre marche et j'avance et je recule. Mine de rien, on fait quand même du surplace. Hein? C'est un mouvement un peu la forme d'un rectangle devant-derrière. Je vous rappelle l'importance de vous assurer d'avoir rien autour de vous parce qu'une serviette, ça prend pas de temps que ça vous fait glisser. OK, soyez vigilants là-dessus. Et je dirais que c'est intéressant de vraiment avoir de l'espace parce que ça vous permet de faire des mouvements de plus grande amplitude. Maintenant, ceci étant dit, si vous avez des voisins en dessous, vous tenez compte, bien sûr, de leur bien-être.
Moi, je me soucie de votre bien-être. Alors, je vais vous proposer avec Essenso. Vous prenez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et si vous revisitez les contenus, bien, vous pourrez modifier, changer, redécouvrir d'autres variations. Devant, derrière. Est-ce que ça va? Alors, je continue à vous faire travailler le cardio, le cœur. On fait ça dans le plaisir, dans le bonheur. Si vous avez préféré la version jogging sur place, vous la faites. Hein? Voulez-vous que je la fasse avec vous? Continuez devant, derrière, avec ou sans saut. Moi, les bras que j'aime bien là-dessus, c'est juste ça. Puis en même temps, c'est tout ça, hein? Parce qu'on bouge haut du corps, bas du corps. C'est pas rien, ça. Est-ce que je peux en faire encore 8? 8, c'est notre décompte magique. C'est pas essentiel. Vous pourriez le faire plus lentement, mais ça vous donne un repère parce que dans pas long, dans 2, je m'en vais jambe gauche. Ma gauche, en fait, la vérité, c'est que c'est ma jambe droite. Mais pour les effets de la caméra, c'est votre jambe gauche. Et si vous étiez sur la gauche, vous êtes sur l'autre jambe. Yes? Good. On y va comme ça, devant, derrière. Pour les bras, quand vous le sautiez, je trouve que juste un genre de mouvement haut du corps que vous feriez pour un jog convient très bien. Aïe! C'est donc belle fun. Encore 8. Voyez-vous comment la version sans saut est dynamique pareil? C'est vrai. Faut pas toujours sauter, c'est pas nécessaire. Mais c'est le fun, si on peut. Donnez-moi donc un petit jumping jack sympathique. Je suis un petit peu essoufflée et je me demande s'il n'est pas temps de vous dire d'aller vous prendre un petit peu d'eau. Ça va? La version sans saut du jumping jack, pour moi, va presque toujours être un temps du côté. Ça va-tu? Jumping jack pour 8, 7, 6, 5. Je reprends jambe droite dans 3. Yes, êtes-vous prêt? Devant, derrière, avec ou sans saut. Une dernière variation, si vous me le permettez. Regardez-la une fois. Oh boy! Devant, derrière, rapide, rapide. Toujours dans l'idée de vous offrir du contenu avec et sans saut, je me promène entre les deux options alternatives, j'allais dire. Ce qui, à l'occasion, pourrait vous mélanger, mais c'est là que, vous le savez, vous avez le droit à l'erreur. Pour regarder les contenus une autre fois, tout va se placer. Hop! Moi, je suis censée rester sur mon X. Est-ce que j'étais à la bonne place? Deux autres. Hop! Dernière fois. Yes! Jumping jack. Hop! 8, 7. Êtes-vous prêt? Dernier côté. Jambe gauche. 4, 3. Devant, derrière. On est capable. Vous êtes capable. Est-ce qu'on passe à la posture? Sans saut devant, derrière. Vous rappelez-vous le petit ajout sympathique que je viens de faire? Respirez bien. Regardez bien. Devant, derrière. Rapide. Souvent, je vais vous dire de regarder. Je ne veux pas dire arrêter complètement. Ce que je veux dire, c'est garder la version que vous avez. Le temps de produire, reproduire. Wow! Tu veux plutôt ce côté-là, je dirais. Est-ce que c'est pareil pour vous? 4 fois, hop! Let's go! Je viens de trouver une autre variation qui serait le fun. Saute, saute, si ça vous plaît. Hop, hop! Last time, dernière fois, jumping jack. Et on se retrouve au prochain segment. Suivez-moi, on continue le cardio, mais en position planche. Main ou poing, je vous laisse choisir, genou ou pied. C'est vous qui décidez. Regardez, vous faites un genou vers l'avant. Si vous sentez que c'est mieux pour vous de le faire en gardant le pied par terre, faites-le. Ce que je vous invite à vérifier, c'est votre technique. Hein? J'y reviens presque dans chaque capsule parce que c'est important de revisiter la technique, surtout quand on sait qu'on a fait ce mouvement-là plusieurs fois. Est-ce qu'on a développé une mauvaise habitude? Ok? Est-ce qu'on y va plus vite? Un. Alors, faut juste la défaire. Faut défaire une mauvaise habitude. Si, par exemple, vous montez trop les fesses, OK? Puis, je ne vais pas le donner en exemple parce que, bien, parfois, on retient la mauvaise version. Alors, je vais vous le dire sans l'exécuter.
L'autre erreur commune, c'est de descendre trop les fesses. Vous voulez pas forcer du dos, d'accord? Oh boy, c'est 8 comme ça. 8. 7. Le truc, les coachs, ce qu'on fait, c'est qu'on compte lentement. Il en reste 4. 3, mais vous êtes capable. Plus que 2. Tête en prolongement du dos. Et on relâche. Ouh, ça fait du bien. Étire le tronc. On va le refaire. Les genoux vers la diagonale. Regardez. Lentement. Je vais me permettre de garder ma tête en prolongement du dos pour vous démontrer adéquatement le segment. Me voyez-vous venir? Je vais l'accélérer un peu. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Lâchez pas, vous êtes capable. Diago, on le sent dans les abdos, dans les bras. Oblique, plus précisément. Vite. Aïe, aïe, aïe. Vous savez ce qui s'en vient, OK? 4. On l'accélère, êtes-vous d'accord? Here we go. Hop. Sinon, une planche statique, genoux. Ici, peut-être ça fait la job. OK, choisissez. Il en reste 8. 8. 7. 6. Je peux le ralentir. Woo! On se retrouve aux étirements. Bien joué! Comment ça s'est passé pour vous? Prenez le temps là, de prendre votre souffle, de vous féliciter pour le travail effectué. Ça avait l'air de rien, mais c'était quand même plutôt intensif. Et ce qui est important à garder en tête, c'est que c'est pas parce que c'est intensif que c'est bon. C'est parce qu'on est à l'extérieur de sa zone de confort que c'est intéressant. Et c'est ce que je veux que vous gardiez en tête, que vous sautiez ou pas. Descendez les épaules. Ce qui est le fun, c'est ce sentiment de bien-être qui va être là de toute façon. Avec et sans saut, ce qu'on souhaite, c'est de se sentir bien. C'est d'avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose de bon pour nous. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. Et je vous souhaite que ça vous donne le goût de continuer le travail avec moi dans les autres contenus. Mais chez vous, avec vos proches, au gym, continuez à bouger, ça fait tellement du bien. Et l'activité physique, c'est ce qui a le plus grand impact sur les autres sphères de votre vie, comme le sommeil, la nutrition, les dépendances et la gestion du stress. Alors, étirement du devant de la cuisse, je vais vous dire, bien joué, la citation de la semaine. Vous êtes plus proche que vous le pensez. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. Moi, ça m'a beaucoup rassurée la première fois qu'on m'a dit ça parce que des fois, on sait pas qu'on avance. Ça prend un peu de recul ou quelqu'un qui le voit. Et ça fait du bien de se faire dire ça. Alors, je vais vous mentionner ça aujourd'hui. Vous êtes plus près que vous le pensez par rapport à vos objectifs d'entraînement, mais probablement par rapport à bien des choses. Alors, lâchez pas. Vous êtes sur la bonne voie. On continue, on termine. Étirement de la fesse. Bien joué. Merci tellement de bouger avec moi. C'est vraiment un honneur. Restez là. Oh, mine de rien, j'ai oublié de vous mentionner. Là, on est en train de faire un étirement pour la fesse, mais vous pourriez avoir un coin de mur, une chaise, un membre de la famille. Descendez les épaules. Restez là. Ça fait du bien. Hop, et vers le côté. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une journée incroyable. Partagez les contenus avec les gens autour de vous qui pourraient en bénéficier. Et on se retrouve demain.